Moi, je voudrais lire maintenant les chapitres 13 de l'Apocalypse pour nous savoir que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous vivons sa vie. Alors, verset 11 jusqu'au bout, 18, je voudrais lire maintenant, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre des feux du ciel sur la terre à la vie de l'homme. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le chapitre 14, on dit, le verset 11, pour nous tout savoir, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ce qui adore la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est si la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, errez, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les ciblent. Le Seigneur nous dit que nous ne recevons les marques de piste. Et maintenant, je te dis que tu désires dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ, que tu pries avec moi maintenant, s'il te plaît, répète maintenant, et dis, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, répète avec moi, le péché. Je repens de mes péchés. Pardonne-moi. Viens maintenant dans ma vie et vis pour moi. Donne-moi le cadeau du Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, à gloire notre Seigneur. Aussi maintenant, il faut que nous savons. Seigneur Jésus-Christ nous donne la bonne santé. Que nous prions et demandons au Seigneur Jésus-Christ que nous donne. Seigneur Jésus-Christ, je te prie que tu donnes la bonne santé à chaque personne. Et je te remercie de mon cœur. Amen.